Ça devrait être bon là. J'ai la voix qui va pas trop bien en ce moment. Baggy le clown, barbe blanche, un pink hazard. Waouh, j'ai vu un VS à Kainu là avec Luffy. Bon ben on est de retour à Punk Hazard. Alors le briefing. Il y a Brook, Nami et Smoker avec moi. On doit aller là-bas, d'accord. Et donc... Ouais, donc il y a des ennemis. Tout à fait normal, hein. Là, j'ai rien. Est-ce que là, je peux mettre Marco, en fait, en... Non, je peux pas. Putain, fais chier. Je suis dégoûté de ma vie. Ça c'est pour le faire remonter les niveaux. Ce qui sert strictement à rien. Puisque niveau 16, je m'en sors plutôt pas mal déjà. Ensuite, ça c'est les objectifs. Je regarde à chaque fois, on sait jamais, mais... je comprends rien en fait. Ça c'est les attaques. Ça c'est ce que j'ai comme talent en fait. Ça c'est les pièces qu'il faut que je trouve en fait. Mais bon, je le fais pas trop. Peut-être que pour le platine, il faut le faire, mais je le ferai tout seul en solo. Et donc ça, je sais pas ce que c'est du tout. Ah, c'est les astuces, ça. D'accord. Bon, et puis c'est bon, les pièces. Ouais. Quoique... Il me semble que j'ai débloqué une pièce de Luffy avec une truc d'attaque, là. Celle-là, c'est trop bizarre. Ouais, mais si je le mets, ça me fait descendre l'attaque, ils disent. Et si je le mets avec celui-là, ça me l'a fait monter. Bon, ben voilà. Voilà, ça c'est bon. Go. En tout cas, les chargements, ils sont super rapides. Hein. C'est abusé. De retour à Punk Hazard. Ça fait trop rire d'être allié avec des pirates comme ça là. Et Smoker il est avec nous normal depuis le début du jeu quoi. Allez, on va tout déchirer là, on y va tous. C'est trop épique comme on y va tous là avec la musique en plus. Genre allez les potes, j'espère que vous êtes chauds. On va tout déchirer là, ramenez vos gueules. C'est parti. Alors là, de toute façon, rien qu'à moi tout seul, je vais tout déchirer, quoi. Je pense qu'à moi tout seul, ils vont avoir très très mal. Putain, eux, je sais pas, ils empoisonnent, ils sont bizarres, ceux-là. Donc là... Voilà, dégage. Tout aussi. Il est trop puissant, le fils, comme ça, quoi. Ça va, on est tout défoncé, là, il y en a plus. Il en reste 2-3 vite fait. Voilà, ceux-là. Ils ont beaucoup de vie ceux-là. Ils ont plus de vie que les autres. Voilà. Bon bah c'est bon. Mais il y en a un seul mais il fait chier quoi. Ah mais non mais il n'y en a pas qu'un seul mais. Je rêve ou ils font que réapparaître depuis tout à l'heure là. Ou alors ils viennent d'un face peut-être. C'est bizarre quand même. Voilà.
C'est bon là par contre. Rentrez tous. Vous pouvez le faire. On va tout déchirer. C'est parti. C'est trop épique les moments comme ça quoi. À mon avis cette mission va se passer en plusieurs parties parce que commencer comme ça là avec si peu d'ennemis ça cache quelque chose. À mon avis il va avoir du Sandy ou du Zoro ou un truc du genre ou peut-être du Robin. Peut-être que Sandy et Zoro ça sera pour la fin en fait. Mais j'ai l'impression quoi que l'histoire en fait c'est ça hein, c'est qu'il faut sauver les Nakamas de Luffy en fait. L'histoire se repose sur ça. Quoi? Qu'est-ce que je viens de voir là? Le CP9 MDR, je dois rencontrer le CP9. Ok, pourquoi pas. Bon bah c'est parti hein. On va juste prendre cette zone là. Enfin, on est 6000 dans la zone et on met 2 ans quoi pour la prendre. Rien que pour ça je vais mettre en gear seconde acquis, voilà. Ils prennent cher quand même à chaque fois. C'est juste abusé quand je suis comme ça. Hop là. Franky aussi il est super puissant. En plus déjà rien que si on prend cette zone là, je pense que ça va quand même nous faire augmenter pas mal la truc là. La jauge de territoire parce que là elle est vraiment. On s'est vraiment dominé. Bah là il y a putain il y a Bluno la grosse vache de merde là. Je vais déchirer toi, je te jure que tu vas prendre cher là Bluno. Je suis plus le même que Pirate Wars 1, j'ai le haki maintenant. Je dis ça à tout le monde quoi. Voilà, et tu peux faire ça mais c'est pas grave, je te refais un raid hawk, y a pas de souci. Voilà. Et puis maintenant t'es étourdi. T'es étourdi comme une merde et moi je te déchire. Voilà, et tu es mort, et tu m'as même pas touché. C'est la triste réalité. Alors toi, tu meurs. Tu veux pas mourir toi? Voilà. On peut les toucher qu'avec ça, eux, ça saoule. Quand ils sont comme ça. Ok, allez, maintenant on va en face. Y'a qui en face? Y'a personne, je crois. Ouais, c'est pas là qu'il y a quelqu'un. C'est là-bas. C'est qui d'ailleurs? Mais pourquoi il y a des zones blanches comme ça? Trop bizarre ça, hein. Ça sent les jaunes qui vont arriver, ça. Je le sens super bien. C'est qui là? Ah, c'est Jabura. Putain, mais genre. Ah, mais ok, tu veux faire le mec? Ah, pas de soucis, mec! Je vais te déchirer. Parce que là, ça va pas se passer comme ça. Attends, mais j'aime pas quand il fait comme ça, lui. Hop là, prends-toi ça déjà. Franky va venir te déchirer en plus avec son laser. Pff, les dégâts de fou, quoi. Tac. Et bim. Weapon the left door. Et voilà, tu es mort. Tu peux même pas faire ta technique. Parce que oui, j'ai vu que tu voulais la faire. Mais tu ne la fais pas. Bon, on va prendre cette zone là-bas, là. Je sais pas qui c'est. Peut-être Kaku ou peut-être Lucci, on verra. C'est des ennemis ça? Ouais. Plus compte, j'ai juste à regarder sur la carte et puis. Et puis ils me disent si c'est des ennemis ou pas. Bon allez, on s'en fout de eux, on va directement aller à la zone là. Et puis battre. On va même plus battre Lucci. Voilà. Boum. Par contre, un truc que je trouve bizarre, c'est que je peux toujours pas utiliser la deuxième attaque là, ça me perturbe. Dans la démo, je pouvais. Ah mais non, il va pas spammer ça là, tu vas pas me faire chier avec ça, Lucci, sérieux. C'est bon, hein. Oh, il a fait que ça quoi, il a fait 4 fois. Attends, moi aussi, voilà. Voilà. Putain, mais il m'a fait un truc bizarre. Bon allez c'est bon, fini de rigoler, tu m'as défoncé un peu beaucoup de ma vie je pense. Hein, ça j'accepte pas trop ça. Meurs. Voilà. Da 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 da
Frankie. On va capturer la zone par la même occasion. Allez, voilà. Il est super puissant, Frankie. J'arrête pas de le dire, mais c'est juste hallucinant. Mais par contre, il a les mêmes combos, on dirait. Qui peut-être ont peut-être un peu plus de portée. Et puis, c'est tout. Ouais. Je pense que c'est ça. Voilà. Ta-ta-ta-ta-ta. Hop là, prends-toi ça. Bon, est-ce que c'est de la vie, ça? Oui, c'est de la vie. Merci beaucoup. Non, ça sert à rien. Je vais aller dans la zone en bas, là. Bon, pour l'instant, on s'en sort pas mal, je pense. Je regarde un peu les coéquipiers, comment ils sont. Ils ont l'air de s'en sortir. Peut-être pas dans la zone qu'on a, mais... dans l'ensemble, ça va, en fait. Faudrait que j'y aille, peut-être, mais... En fait, c'est loin, donc j'ai la flemme. Ah non. Vous allez pas faire ça, vous. Dégage, voilà. Les deux, je les ai tués. Je le fais un troisième pour le kiff. On va le charger. Bam, bam, bam. Tac. Hop là. C'est ton pistolet. Bon. C'est bon. La zone ici, c'est pris. Pas de soucis. Et maintenant. Ouais, bon, maintenant je vais vite défendre la zone là. Il a l'air de passer un mauvais quart d'heure quand même. Je m'en fous. Voilà, hop là, je passe au milieu. Rien à foutre. N'empêche que ce décor de glace avec la. Est sympa. Je préfère le décor de la glace que de la lave quand même. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que la lave c'est Akainu et Akainu c'est un. C'est un putain de. C'est une grosse merde, voilà. C'est le mot. C'est le mot qu'il faut dire pour Akainu. Une grosse merde. Oh non, putain, vas-y, dégage quoi. Voilà. Rien pour ça. Bon, là, ils ont un peu de mal apparemment. J'arrive à la rescousse avec Luffy et Frankie. J'ai tout dégagé quoi, deux secondes. Hop là. Frankie. Putain, il a tout tué, Frankie. Hop là. Boum. Bon, à mon avis, dès que j'ai tué les chefs là, il n'y aura plus personne. C'est les chefs en fait qui sont le plus chiant. Voilà. Ah putain, Frankie, c'est fini. Ouf, heureusement que j'ai pu faire un jet pistolet. On va faire un petit Red Hawk là. Parce qu'il y en a plein en face de moi. Voilà. Point de style, cool. C'est bon, ici j'ai bien défendu. Faudrait que j'aille là-bas. Histoire de battre le con là-bas là. Je sais pas qui c'est. C'est Kaku là-bas, hein. Parce que j'ai affronté Lucci et Yabura et. Voilà, c'est voilà, ce que je me disais. C'est ce que je me disais. Tac, tac, tac. Hop là maintenant. Tu vas prendre cher là. Boum. Tac, tac, boum. Ah oui, mec. Et oui, mec. Je suis une petite girafe. Enfin, une petite... voilà, quoi. Il a quand même une longue tête. Bon, lui, il est mort. Ça, c'est fait. Je vais en profiter pour nettoyer un peu la zone, là, vite fait. Il y a quelques petites... Il y a quelques petits sous-fifres qui me tiennent tête, là. Regardez. Ils sont là, ils espèrent. Ouais, on va le tuer. Il fait des poses bizarres, Franky. Bon, c'est quoi? Tiens, j'arrive pas à changer de coupe avec Franky, ça me saoule. Bon. Bah, j'ai tout fait, là, non? Ah non, j'ai peut-être pas battu le mec, là, en fait. Je vais prendre le truc de style, là. Voilà. La jauge de style est à fond. Ouais, ça doit être là, hein, je pense. Mais après, ça doit être bon, quoi, à mon avis. C'est qui, là? Putain, mais c'est juste un chef en plus et il galère comme ça. C'est Smoker qui galère comme ça. Mais Smoker, tu me fais pitié. La pitié, la pure quoi. Tu es l'incarnation de la pitié, Smoker quoi. Oh mais. C'est bon là, il me fait le fait 6 fois. Hop là. Voilà. C'est comme ça la vie. Bon ben.
Ah si, il y a des gens qui viennent d'apparaître là. Ah, un coffre. Des sous. Putain, mais pourquoi c'est pas une pièce? Bon là c'est c'est, ça doit être deux chefs normaux je pense, ouais. Ça doit être ça là, obligé. Ouais voilà, c'était sûr et certain à 10 000%. La Terra kiffant. Tac tac boum. Toi là. Boum. Je vais essayer de le tuer avant qu'il se mette en. Ouais, trop tard. Juste quand je dis ça. Avant qu'il se mette en. Comme ça là, en mode super puissant. Parce que déjà qu'il est relou. Putain. Hop là. Hop là. Ah c'est bon, il est plus hein. Je peux le taper. Voilà. Ça c'est nickel. Maintenant. Vous dégagez. Vous dégagez loin de là. Très très loin. Ouais ben je pense qu'il faut que je retourne à la zone là-bas là où que ça clignote en vert. Ouais ça doit être ça hein. Je vois pas d'autres trucs. Qu'est-ce qu'il dit là Smoker? Putain en fait non. Faut que j'aille là. Elle est bizarre cette mission n'empêche. Sakazuki, mais à mon avis je vais affronter Akainu à la fin, c'est pas possible. C'est juste pas possible, je pense que je vais l'affronter. Voilà. Allez, prends tout ça. Mais si j'ai tout déblayé. Il ne reste que 2 ou 3. Voilà. Toi. Il reste toi aussi. Et toi là. Voilà. Une petite pièce. Et puis ouais. Et puis c'est bizarre là cette mission, hein. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais je la trouve assez bizarre là. Oh, il y a trop de monde ici. Un petit ménage s'impose. Trop de monde. Voilà, là ça va faire carnage en plus. Boum. Voilà. Quasiment mort là. Ah mais putain. J'aime pas quand ils se mettent comme ça là et que moi je peux pas le mettre parce que je peux pas les toucher. Et je suis obligé de faire le jet pistolet. Voilà. Bon ça va, je me suis plutôt bien débrouillé là. Là il y a un chef, il veut s'incruster. Putain mais genre... Tu m'as touché et en plus les gens quand même me touchent, ils sont contents et tout. Ah c'est bon, tu m'as saoulé toi. Ah. En fait ils sont obligés de se transformer, c'est codé pour qu'ils se transforment dès qu'ils ont plus beaucoup de vie je pense. Ça doit être un truc comme ça. T'as mis en encore un là-bas, mais c'est un truc de fou quoi. Stop les chefs là. Stop it Gigi. Voilà, Franky, viens. Marcassero. Voilà, j'ai fait un peu le ménage. On va devoir battre le chef qui est là, au milieu, puis après celui qui est à droite. Alors, il est où? Putain, là. Ah oui, la belle brochette. Je vais en faire deux d'affilée, regardez. Tac. Et tac. Épique. Voilà. Et toi là, tu t'en sortiras pas comme ça. Il en reste un. Il a réussi à m'esquiver. Voilà. Maintenant, à celui de droite, allez. Mais là j'ai tout balayé normalement. Il devrait avoir Akainu qui va pas tarder, je pense. Allez. J'aurais dû garder en fait un Red Hawk, trop con. Là je l'aurais fait. Ah, attends, je vais le tuer lui. Bim. Voilà. Ah ça y est, il est là. Il est là, le petit con. Je vais te casser la tête, je vais te déchirer, putain.
fais le malin, j'arrive. Fais le malin, t'es où? Elle est où ta zone? Ah putain, c'est fermé, merde. Ah, t'es vraiment une tapette à Kainou là, t'as besoin de fermer tes portes, quoi. Si t'es un homme, viens te battre, viens vers moi. Putain, il en reste un et il veut pas crever, quoi. Voilà. Bon. Je vais me diriger vers la zone que j'ai toujours pas capturée, on va voir si c'est peut-être ça. Il a dit quoi là encore lui? Putain, je supporte pas sa voix. Je ne la supporte pas du tout. Putain, il bombarde les zones là avec son magma de merde. Il a toujours pas ouvert les portes, putain. Ouais, bah je vais capturer cette zone, pas le choix. C'est parti. Kubushiro. Allez, c'est parti. Voilà. Ah, ça y est. Apparemment, il y a tout le monde qui se dirige vers la zone là-bas. Je sais pas pourquoi. Je sais pas s'il faut que je le fasse aussi. Bon, je vais un peu capturer. Je vais un peu défoncer cette zone. Puis après, dès que je vois si je vois que c'est ça, ben j'y vais. T'es la portée, Franky. Oh, fais juste rêver, quoi. Boum. Tac. Technique. Luffy. Voilà, carnage. Ça fait carnage le... Si je fais le Gatling Gun qu'après je fais le jet pistolet, c'est abusé. Ah putain, j'ai voulu leur faire le jet pistolet avant qu'ils me touchent. J'ai pas réussi. Tu es le chef de la zone là? Vas-y. Vas-y, viens. Ah putain, il y a Kaku qui vient de réapparaître. Boum, voilà. Kaku, vite, Kaku. J'arrive. Je vais pas le laisser faire. À mon avis, si je tue Kaku, ça doit s'ouvrir les portes. Allez là. Putain, mais il avance vite cet enfoiré cette girafe de merde là. C'est quoi ça? Waouh. Allez. Trop stylé. Épique. Ça veut dire qu'il va avoir les jaunes là. C'est normal que les rouges ils ont beaucoup de parties là de. Ils ont plus de zones que moi alors que non, normalement non. Hein. Je comprends pas trop, c'est un peu bizarre, c'est un peu flou ce truc. Putain, je peux pas me mettre en truc moi aussi là, ça sucks. Allez, hop là, c'est bon. Je crois que c'est bon. Je crois que je peux le toucher là. Non, je peux pas. Je peux pas, bon, ok. Tu l'auras voulu. Ça va. Fallait me le dire plus tôt, hein. Ensuite là, c'est qui là? Oui, viens là toi. Justement toi là. Espèce de putain de... Une grosse vache de merde. Hop là. Putain, mais arrête de me faire chier là à faire ça. Voilà, prends-toi ça. Franky qui va venir te déchirer. Peut-être qu'il va te tuer. Non. T'as pas tué, c'est pas grave. Attends, reste là. Putain, mais. T'es vraiment une putain de vache, quoi. Hein. T'es vraiment une putain de vache. Mais t'es vraiment une vache de merde, quoi. Ah putain. Allez, normalement je le touche. Voilà. Lui maintenant. Je l'ai pas touché quoi. Mais... Vas-y, c'est pas grave. Je m'en sortis très bien là. Voilà. Par contre là j'ai pas beaucoup de zones alors que. C'est bizarre.
Voilà. Tourne autour. Maintenant je vais te faire des dégâts de fou. Tac, tac et tac. Ça t'aime pas normalement. Voilà, personne n'aime. Ensuite, là-bas. Franky. Hop là, de la vie, stylé en plus. J'aurais pas dû le prendre, je suis trop con. Ah, la porte est ouverte pour... pour truc. Bonne... Je viens de remarquer à peine là maintenant pour Akainu. Donc je vais tuer le Diabouba et puis je vais y aller. Allez là, meurs toi. Espèce de loup de merde. Ah non, pas ça, putain. Ah là là. Ah putain, mais putain. Hop là, prends-toi ça. Hop là, et prends-toi ça. Oh mais putain, mais il fait que ça, lui, il me saoule. Hop là. Ah putain. Allez, bon, allez, prends-toi ça. Tu te le prends normalement. Attends. Putain, j'en étais sûr, quoi. J'en étais sûr qu'il allait pas se le prendre. Je suis obligé d'utiliser ça. Putain, mais vas-y, arrête de bouger dans tous les sens, quoi. Il est pire que l'outil, lui. C'est un truc de malade, quoi. Allez, dégage, espèce de sous-merde. Allez, go vers Akainu. Oh, mais je peux pas y aller. Ah, si, 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 il faut que je fasse un putain de détour, là. Mais je peux y aller. Bon, ben... C'est parti. On va traverser tout le truc de glace. Parce que, ouais, là, il faut carrément passer tout le... Faut traverser carrément tout le truc de glace pour arriver jusqu'à Akainu. Mais c'est chiant là, ils nous font faire des détours de fou quand même pour juste pour aller à Akainu. What the fuck. Bon, bref, c'est pas grave. On a déjà arrivé à la zone de lave. Il faut aller là, comme ça. C'est plus rapide, enfin plus rapide. De quelques secondes, même pas microsecondes. Alors des sous, voilà, ça c'est plutôt pas mal. Et là je suis content, je vais pouvoir me faire Akainu quand même. Ici c'est pas mal cette zone, mais je préfère la glace quand même. Mais c'est vrai que c'est plutôt sympa ici aussi. Ah, allez. Il est juste en face. Oh, finalement c'était pas si, c'est pas si long. C'est rapide quand même. Alors, il y a Okiji ou pas ici? Ouais, il y a Okiji avec nous. C'est cool. Est-ce que je vais le débloquer alors? Ça se peut que je le débloque. Bon allez, Akainu. Allez, je dédicace cette mort à Akainu à tous mes abonnés. Attends, attendez, parce que là je dis ça, mais après tu me prends un coup de merde. Alors je dédicace cette rouste que je mets à Akainu à tout le monde. Voilà. Voilà, prends-toi ça. Ça aussi. Voilà. Maintenant je te fais tourner comme une merde. Bah il vole, espèce de sous-merde. Maintenant tu vas te prendre un Red Hawk dans le cul. Boum. Allez voilà. Ouh, bah, c'est pas grave ça hein. Donc là je te fais ça et normalement tu meurs. Voilà. Voilà. Dédicace à tout le monde. Ouais, on a fini là normalement je pense. Bon, je peux continuer à attaquer, mais je pense qu'on a fini. Genre lui, il est là, au kiff des coups. Hop, il glace tout le monde. On va prendre la zone, pourquoi pas. Ah, mais genre, mais putain, ils me font chier quand ils font ça. Dégage, quoi. Voilà. Et pour finir, j'ai toutes les zones. Est-ce que ça vous fait kiffer? Est-ce que vous avez kiffé cet épisode? Enfin, je crois que c'est fini, là. Je pense. A voir. Il n'y a pas de croix verte. Mais je pense que je vais aller dans la zone en face. Ouais, je pense qu'il faut aller dans la zone pour terminer le niveau.
Voilà, c'est juste là. Il y a le Sonigo, on le voit. T'es, il est grand quand même, hein. Voilà, ici. Nickel. Je peux encore attaquer, mais je pense que c'est... Voilà. Je pense que c'est fini, là. Ouais, mission finie. Et ouais, c'est bon, j'ai fini. On a gagné. On a défoncé Akainu. Je suis trop fier de moi. Rang A. Ça va, ça passe. Ça passe, rang A. Alors. Bon, là, ils vont parler encore. Ouais, tu parles avec Aokiji, tu lui dis, ouais, ça va, est-ce que tu vas bien? Est-ce que ton voyage se passe bien? Ils font délirer. To be continued. Ok, bon, niveau 17, nouveau combo. Tring, tring, carré, carré, ok. Niveau 9, Franky. Plus que un niveau. Puis après, je pense que je changerai dès qu'il sera niveau max. Waouh, deux nouvelles pièces. Voilà. Level up, des sous, comme d'hab. Encore débloquer plein de trucs, comme d'hab. Saving. Bon, qu'est-ce que c'est quoi le prochain truc? Ouais, ça ressemble à Arlong Park ici. C'est peut-être ça en plus. Ça ressemble à Arlong Park, ouais. Bon. Bon, bah c'est bon, je vais voir juste le perso que j'ai débloqué. C'est là. C'est Aokiji, cool. Cool, cool, cool. Et apparemment on peut pas les prendre n'importe quand les persos là, par exemple Aokiji je peux pas le prendre pour cette mission. Par contre je peux prendre Marco ou bien Jinbei. Ouais. Bon. L'épisode de 7 s'achève là. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'actualité des vidéos et à laisser un commentaire pour me dire si ça vous a plu, etc, etc. Moi je vous dis à plus pour l'épisode numéro 8. Bye tout le monde.